Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui, je vous propose de travailler un morceau de 1986 de notre artiste favori Johnny Hallyday et dans son tube Je te promets. Ce morceau sera parfait pour nous pour travailler les formules en double croche. Mais juste avant de commencer, deux prérequis indispensables. Vous devez savoir maîtriser vos accords et vos renversements. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à télécharger gratuitement une plaquette d'accords que j'ai réalisée spécialement pour vous avec mon code couleur pour retrouver vos accords parfaits, renversés, dièses et bémols et savoir les rejouer le plus vite possible sur votre piano. La deuxième chose à savoir, ce sont vos accords de 7. J'en ai parlé dans la vidéo « Et un jour une femme » de Florent Pagny. Donc si vous ne les avez pas encore au bout des doigts, je vous propose de regarder ce tutoriel juste avant celui-ci. J'en profite pour vous suggérer de me laisser dans les commentaires votre avis pour savoir si vous voulez que j'approfondisse le sujet des accords de 7 et si vous voulez que je travaille avec vous davantage les formules en double croche. Votre avis m'intéresse, donc laissez-moi vos commentaires. Je commence par vous montrer la grille d'accords de couplet et du refrain et ensuite je vous montrerai deux accompagnements avec deux niveaux différents pour jouer cette chanson et la chanter avec votre piano. Pour jouer la grille du refrain, on va avoir plusieurs accords. Premièrement, on va commencer sur un Do majeur. Cet accord, on le connaît, c'est Do mi sol. Ensuite, on va enchaîner un accord de Mi. On pourrait utiliser sa septième au milieu. Si, Ré, Mi, Sol, rose, orange, jaune, bleu. Ensuite, j'aurai un vrai accord de Ré, La, Ré, Fa, et ensuite un accord de Fa 7. Donc on pourrait jouer comme ci ou comme ceci, La, Do, Mi, Fa, ou Do, Mi, Fa, La, rouge, jaune, vert et violet. Ce sont les mêmes couleurs, mais un ordre différent. Et ensuite, on aura un Sol 7, donc Si, Ré, Fa, Sol. Rose, orange, vert et bleu. Ces cinq accords, on va les enchaîner deux fois. Voici ce que ça donne. Une fois qu'on aura joué ça, on va devoir enchaîner d'autres accords bien sûr. Fa et Do, donc on les connaît. On vient de les jouer. On pourrait jouer le Do aussi ici, mais on pourrait jouer renversé sur sa cinquième note. Sol, Do, Mi, bleu, rouge et jaune. Ensuite Ré et La. Ré, La. Le La c'est La, Do, Mi, violet, rouge, jaune. Et je le rejoue une fois. Fa, je vais avoir un accord de Do sur Mi. C'est Do avec la basse sur le Mi, comme est jaune.
Ensuite, je vais avoir un Fa. Et ensuite, je vais avoir un Sol. Donc, voici tous les accords du couplet enchaînés. Ce morceau. Pour jouer ce morceau en version débutant, je vous propose de plaquer les accords pour le couplet, c'est-à-dire on va faire des rondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sauf pour les accords qui se partagent une mesure, on restera deux temps pour les blanches. Et ça suffira pour accompagner notre couplet. Et pour le refrain, je vous proposerai de faire juste des noirs, c'est-à-dire jouer sur la pulsation deux accords, deux notes par accord. C'est tout pour la partie débutante. Si je passe par exemple à un niveau plus avancé, c'est là que je vais utiliser des doubles croches. Ça veut dire qu'on va se baser sur la partie du débutant, on va plaquer les notes de notre couplet. Et sur le quatrième temps, je vais arpéger avec quatre notes. 1, 2, 3, 4. Quand j'enchaîne les deux blanches, je joue directement l'arpège. Et pour le couplet, on va rester en noir, mais si on reste fidèle à l'accompagnement de notre ami Johnny, on va faire notre accord à trois sons et on va répéter la note qu'on a sous le pouce à l'octave, ce qui nous donnera... Ce sera tout pour jouer ce morceau. Voici ce que ça donne avec le métronome. C'est tout pour ce morceau. Si vous avez aimé ce tutoriel, laissez-moi votre petit pouce bleu sous la vidéo et pourquoi pas, abonnez-vous pour retrouver tous les jours un tutoriel que je mets en ligne spécialement pour